Bonjour à tous, aujourd'hui ça sera donc une vidéo sur le serveur de Monsieur Rat Super, donc Armor for Life. On sera en police nationale. L'unité ça sera la sécurité publique, et le type de la patrouille c'est une patrouille standard. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo. J'attends qu'il y ait un appel d'Oscar, mais... Oscar d'Alpha. Oscar d'Alpha. Oui, transmettez. Vous avez vu le braquage à l'Olis ou pas, l'alarme? Oui, affirmatif. Désolé, j'ai plein de radio trucs partout. Est-ce que Alpha est disponible pour aller à l'Olis? Oui, c'est on est dispo. Allez, je vais prendre une patrouille. Si vous avez besoin de renfort, vous le communiquez directement sur la radio, s'il vous plaît. C'est bien reçu, si Bravo est disponible, elle pourrait aussi s'y rendre. J'ai pas compris la fin de phrase. Je disais, si Bravo est disponible, il pourrait aussi s'y rendre. Ouais, c'est reçu pour Bravo, on termine juste de mettre l'amende et on arrive. C'est reçu pour Alpha. Petite sirène. Oui, ça, ça on laisse gérer Oscar. Est-ce qu'on sera dans la question? Sous brigadier, si on est en premier de là-bas, vous faites les négociations. Oscar, bon. On prend des parts pour braquage de SFR, le 10. Bien. Par contre, mon capitaine, c'est normal qu'il y ait sur en lien sur le GPS, il y a... Au niveau de l'aéroport, il y a des points Alpha Bravo de Scar, pour information, il y a des agents de sécurité qui vont venir en renfort pour bloquer leur route. Aussi pour Alpha. Suivez Bravo. Pardon, désolé. Moi je vous laisse nous la radio. Bravo risque d'être là-bas avant nous. Bon, on laisse faire Bravo, Bravo. Moi? J'ai dit on laisse faire Bravo, par contre, ce brûler, vous risquez de partir en négociateur vu que Bravo sont que deux. Ouais. Thank you.
Tamé. Oscar Bravo. Bravo, arrêtez ça. Et bravo pour Alpha Transmuté. Ouais, donc pour nous, on est arrivé sur place, on va voir s'il y a du négocier. Reçu, nous on n'est pas loin, on est au niveau du virage de la mort, côté station de service. Si. Coupez-moi la sirène, s'il vous plaît. Il s'est arrêté, je crois. Ouais, il s'est arrêté. Alpha Brown. Transmettez. Polo GT, immatriculé Golf Echo 5. 8, 7, Zulu, X-Ray, deux individus à bord, prend refus de tempéré, direction ancien commissariat central. C'est bien reçu, on essaie de vous rattraper. C'est Zulu, X-Ray, la fin. Mais ça, pour l'instant, on s'en fout de la plaque. Oscar a dû entendre, ils ont dû le noter. Donc, on va venir là, putain. Accélérer, accélérer. Alpha 2, bravo. Transmettez. Transmettez. Véhicule prend en off-road de direction piste de l'aéroport 226 à la place de 90. C'est bien aussi, vous prenez à droite dès que vous pouvez là. Véhicules se sont bouffés, les véhicules s'est bouffé. Reçu. Individu armé, individu armé. Le caniveau aussi. Là à gauche, à gauche. Putain, je vois rien avec. Continuez, là, les rochers plus loin. Plus loin, là-bas. Approchez pas à trop à côté. Hein. L'autre derrière une plante, quelque part. Bravo, Delpha. Ils sont en pâte. Ouais, affirmatif, un induit en, tout en blanc à pâte. Aussi. Si on va essayer de reprendre la polo. Non, il faut d'abord qu'il la répare. Elle est cassée, voilà. Restez, allez vers le rocher derrière là. Il y a tout un amas de rochers où il n'y a personne qui va à l'intérieur là. Là, là, gauche, 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 gauche. Gauche. On va voir dedans. Non, 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 non. Voilà. Là, non, reculez, reculez. Avancez, 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 avancez. Il est derrière. Sur notre position, sur notre position. Affirmatif visuel sur lui. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Ouais, mais j'ai fait des tirs de sommation. Suis. Ah, dis du sang. Là, tu bouges plus. Un individu interpellé. Bon, avant, on vous les laisse, on va s'occuper du véhicule. Attendez, vous allez me les demander, monsieur, là. Monsieur, vous allez me donner les clés du véhicule, s'il vous plaît. Et qu'on dise. Ok, c'est bon, monsieur Misavel. Je sais pas si ça va être pendant quoi, vu que le monsieur est à déshabiller là. Non, pour moi, c'est déshabillé. Ok, on va aller, c'est ce bruit, on y va, on va vers le véhicule des messieurs. Pascal Bravo.
transmettez. Bravo, un petit peu pour contrôle total au commissariat central. Ouais, c'est après, c'est bien reçu. La banque aussi. Mais qu'il n'y a pas de TP disponible pour la voiture ou... Non, on l'a, on va détruire direct. Par contre, je vais juste vérifier qu'ils ont le véhicule avant de la détruire. Il est ouvert. Ouais, un seulement sur la plaque. Nathan Pix. Ok. Nathan Pix, on n'avait pas quelque chose sur lui avant. Nathan Pix, c'est celui qu'on a relâché il y a 5 minutes. Ah oui, avec son bip de portail. Non. Avec son bip de portail, c'est ça. Ouais. Ça bravo d'accord. RAS pour le véhicule, vous pouvez y aller. S'il n'y a pas de dépanneur, on... Oh ouais, mais on l'envoie à destruction déjà, allez-y. C'est qui pour propriétaire? Nathan Pix. Ok, donc c'est un des qu'on vient d'interpeller. Allez-y, okay. Allez, on fait, on attend les dépanneurs. Alpha Oscar. Transmettez. Oui, vers l'aéroport. Il paraît qu'il y a des messieurs qui lancent des fumigènes. Est-ce que vous pourriez aller voir, s'il vous plaît? C'est suivi, on sera. Si vous regardez, vous mettez le véhicule en destruction, s'il vous plaît. Oscar, bravo. Transmuté. Quelqu'un disponible pour contrôle total sur les deux braqueurs. C'est bien reçu. Tu peux demander à Oscar s'il y a une précision sur l'aéroport. Oscar, transmettez. Vous savez à quel niveau il y a le fumigène? Négatif, au niveau des fumigènes, il y a juste le monsieur qui m'a appelé en me disant que en plein centre du rassemblement, une personne avait jeté des fumigènes. Ils n'ont pas vu qui c'était, aucun descriptif. Ok, c'est sûr. Ça doit être là à droite. Messieurs, lequel d'entre vous est l'organisateur, s'il vous plaît? D'accord, on nous a appelé pour des fumigènes lancés ici. C'est moi qui ai appelé. C'est vous qui avez appelé, d'accord. Et vous pensez que personne. Enfin, est-ce que quelqu'un a quitté les lieux depuis que vous avez appelé, monsieur? C'était moi. Moi j'ai quitté les lieux. Ah oui, la blanche. Bah, c'est une 1663 AMG tunée rouge. Ah, c'est ça qu'on a contrôlé, c'est là. Ok. Ok, d'accord, écoutez, je vais prendre les noms de tous les messieurs ici. Je vais m'occuper de la situation. Bonjour.
Bonjour. On va vous demander de ne pas excéder les 10 km/h s'il vous plaît. Juste pour avoir votre passeport s'il vous plaît. Après vous faites comme les autres voitures, vous voyez comme on est garé, tous en marche arrière avec un espace assez écarté entre les voitures. C'est tout. On l'entend pas. Ouais. C'est moi qui a donné un. Ok, monsieur, c'est bon. Hop, monsieur Clunette en blanc. C'est qui le propriétaire ouais. De la. Adèche, votre arme lourde dans le dos, s'il vous plaît. Votre arme lourde dans le dos. Hop, ok, monsieur Lebrun, d'accord. Tac, 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 sur la. Monsieur. Oui. Elle m'a oublié en fait. Ah, vous la donner comme ça, parce que je devrais que ce soit sur un visée. Non, monsieur agent. Oui. Ah oui, donc là avant, j'ai vu une personne, genre. Alors monsieur, pour info, en vrai. Bonjour à tous, traité de service du brigadier licencié en attendant d'un dispatch à part de Sky. Merde, mon brigadier, on attend. C'est reçu. Bon, brigadier, je vous laisse venir au commissariat d'accréditation, vous montez en score avec nous. C'est bien pris, j'arrive tout de suite. Pardon, Didier ? J'ai pris le nom de tout le monde et j'ai demandé à l'organisateur s'il y avait de nouveaux délinquants sur le visage de Dora. Ok, vous en informez Oscar. Hop. Oscar, d'Alpha. Transmetté. Donc, situation sous contrôle au niveau du rassemblement de voitures. L'organisateur est également prévenu s'il y a des relancés, il vous rappellera. Ok. J'ai rien compris de votre transmission, messieurs. Oui. Vous n'avez pas tort, là on vous a pas compris. Situation sous contrôle au niveau du rassemblement de voitures à l'aéroport. S'il y a de nouveau des lancers de fumigène au niveau du rassemblement, l'organisateur vous rappelle. Ok, c'est parfait. Il y a un véhicule sur toi, ça risque de tourner mal. Ah non, vous montez, on y va, ils se démerdent, on n'est pas là. Ils font d'abord appel au dépanneur et après ils nous appellent sur la 112 s'il le faut. Ah oui, bien, ben, quand on retourne, de toute façon, il... Donne un coup de deux tons là, qu'ils se déplacent. Parce que vous tournez très très loin là.
Alpha d'Oscar. Transmettez. Ouais, pouvez vous rendre sur le braquage station service sur la Trinité s'il vous plaît. C'est sûr, on tient. Bravo d'Oscar, êtes-vous disponible actuellement? Dispo de temps, t'as le contrôle total. Ok, c'est bien reçu. Ça s'est arrêté? Allez-y, allez-y, hein, rapidement, mais pas avec la sirène. Sans la sirène, j'ai dit, c'est pas grave. Là, il a quelque chose dans les mains, l'autre, là-bas. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous sauriez m'emmener un ATM ou quoi, s'il vous plaît? Vous avez vu quelqu'un, monsieur, ou pas? Alpha de Oscar. J'ai vu une Audi, là, qui faisait le pain, ouais. Ouais, du coup, on va venir en renfort sur le braquage, nous récupérons le braquage. Ma question, est-ce que vous avez vu quelqu'un ici? Pas, j'ai pas parlé de véhicule, monsieur. Sachant que le braquage est arrêté. Ah oui, j'ai vu quelqu'un. Ouais, c'est bien que donc faites un repérage et on arrive. C'est suivi. C'est bizarre, monsieur, moi je vous vois avec une lampe de poche. Vous avez pas pu voir ou entendre la sonnerie de l'alarme, monsieur, du braquage? Transmettez. Bon, nous faites contre de talent et nous aussi. Ouais, c'est bien. Ça me paraît bizarre votre histoire, monsieur. Vous pouvez me présenter une pièce d'identité? Oui. Ça me permet de conduire, vous avez aussi, monsieur? C'est dans mon sac. Je vous laisse me la donner, monsieur. Oui. Merci. Pour moi, vous m'ouvrez votre véhicule, monsieur, s'il vous plaît. Excusez-moi. Vous pouvez mettre les mains contre le véhicule. Ah, je vous soigne, c'est déjà réglé. C'est vrai que chaque fois, je ne peux pas avoir là-dessus. Yann Bong. Ok. Monsieur, je vous conseille d'appeler les dépanneurs. Hein? Ok. Ou alors d'aller à pied à un ATM en ville. D'aller d'accord, chez okay. Votre repère, votre roue de secours. Ok, je pense que je vais appeler un dépanneur. Ouais. Bonne journée, monsieur. Par contre, si je vous revois autour d'un braquage, ça va mal se passer, monsieur. D'accord, pas de problème. Yann. C'est une patrouille normale. Oscar Delphin. Donc on est allé au niveau de la station service RAS. Bon, on a vu un monsieur Yann Bangano au cas où, qui était dehors avec son véhicule cassé. Et voilà. Ah, c'est bien pris pour Oscar pour prendre une patrouille normale. Hein. Merci. Je m'absente vocalement juste 2 minutes. Je crois que je vais faire de même.
je suis nouveau de retour. Ça marche, tu as identifié de la personne ou pas? Afi, Jean Delvas. D'accord, tu... Je remonterai ça au staff directement. D'accord, c'est mon prix, il y a aussi d'autres trucs durant l'après-midi. Tu viendras faire un... Ouais, je viendrai vous faire ça. Ça marche. Faites voir une fois demi-tour. Ouais, allez voir un peu sur l'accident. Parce qu'on l'avait déjà vu avant ce taxi. Bonjour. 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 Le taxi, il était à qui? Le taxi, on ne sait pas, mais le dépanneur savait pas le prendre. Ça, on aura dû. Bah, ouais, en fait, je vais vous expliquer. Le monsieur, il est en plein avec son taxi. Il n'y avait pas de dépanneur sur l'immeuble à ce moment. D'accord. Du coup, après, il a attendu. Il a appelé les agents de sécurité sur lui. Ils lui ont fait un balisage. Ils lui ont dit de partir. Ouais. Du coup, après il y a un point d'épée, etc. Nous on repasse ici, on appelle les dépanneurs et le monsieur en fait arrive, il dit qu'il a dû prendre sa fin de service, là il est rentré chez lui. D'accord. Du coup, bonjour monsieur, je peux juste vous dire quelques précisions. Donc du coup, j'étais en service, il y avait des travaux, donc les agents de sécurité étaient sur place. Quelqu'un m'a percuté de plein fouet. Et donc il m'a dit de. Je ne suis pas sorti au niveau d'un accident d'épée, est-ce que vous êtes disponible ou pas? Et je lui ai dit, est-ce que pour la police, oui, on est disponible, c'est un balisage. Ouais, c'est bien pris, je vais vous demander de vous rendre, voilà, s'il vous plaît. Au niveau du rassemblement automobile, on a un véhicule à retourner avec le dépanneur. Vous attendez là-bas normalement. Ok, c'est bon. C'est sûr pour le faire ensemble. Merci. Pas de soucis. Bon, bah, on va aussi. Bon, allez. Bonne journée. Est-ce que t'es tout content? Oui, c'est bon. Bonne journée. On est appelé pour retourner le véhicule au niveau du rassemblement de voiture. Là, vous y allez en code 3, mais la petite sirène, ne mettez pas la grosse.
Oh, vous savez pas conduire ou quoi Et avant de sortir du véhicule, ça serait bien que vous coupiez la sirène. Ah bah j'en ai plus. Il y en a dans le véhicule. Donc là-bas il va se calmer tout de suite sinon. Monsieur, ah, bravo, le prends pas ça. Monsieur. Donc, bonjour monsieur. Bonjour. Enfin, bonsoir. Hein. Donc ouais, il y a eu des problèmes cerveau, donc le gel a s'est retourné. On a contacté les dépanneurs, mais ils ne peuvent pas venir. Attention. Bonjour à tous, prise de service du chauffeur. Au revoir. À ce moment, mon gars du chef, je vous laisse patienter 30 secondes. Quoi? Brigadier chef Lefebvre, vous êtes placé en Bravo avec les lieutenants Shepard et le brigadier Conrad, je voulais contacter sur la fréquence privée. Ouais, dites-moi, c'est reçu, merci à vous. Je voulais vous donner une information. J'étais avec monsieur Gavard hier soir. Oui. Par rapport à la Banque de France. Oui. Il reste un homme qui a gardé avec lui un camion avec une vingtaine de lingots à cause de la tempête. Ouais. La tempête, entre guillemets, celle non volontaire. Mmh. Et il voudrait soi-disant pas les rendre. Et du coup, c'est pour informer monsieur Gavard que de ça. Vous avez le nom de monsieur ou pas? Ouais, attendez, je vous le donne. Il a deux avertissements, on m'a dit, mais je vais demander sur ma radio. Les gars, je suis avec. Je suis le nom du monsieur, celui qui a le camion, s'il vous plaît. Maxime Thilo. Ok, bon. Négatif, c'est bon. D'accord, ça marche. Maxime, voilà, c'était pour vous informer. Ok, merci. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. C'est monsieur, si jamais. Hein. Ouais, j'ai pris votre nom, vous inquiétez pas. Parfait. Bonne journée. Bonne journée.
Bonjour, vous pouvez me déplacer votre véhicule s'il vous plaît? L'histoire de l'aéroport, prenez un nouveau disponible. Oscar, d'accord. Attends, c'est la tête. Alpha, de nouveau disponible. C'est bien sûr, Oscar. Reviens en service de la patrouille, bravo, 3 effectifs à bord, une seule à 45 MG. Bien fait. Putain, juste un instant, faut que je boive, sinon ça va pas, ça merde. Passer. Je vais mettre ça dans le véhicule. Oscar Bravo. Transporté Bravo. Dans la communication de l'acte avec le dépanneur. Oui, bah, vous avez autorisation de les communiquer sur fréquence 1. Merci. Alpha d'Oscar. Je vais vous demander de vous rendre s'il vous plaît au niveau du braquage de la Trinité. Vous allez sûrement arriver en première position. Je vais vous demander de savoir si l'individu va négocier. Ça suit en ces rapports, Alpha. C'est pas la station de service. Bravo d'Oscar. Transmettez. Je vais vous demander de vous rendre s'il vous plaît au niveau du braquage de la Trinité aussi. Pour le moment, je voudrais patienter.
C'est suivi, nous, sinon ce qu'on allait proposer c'était de passer par le nord. Alpha d'Oscar. Transmettez. L'individu qui braque le SFR souhaite un négociateur, il nous a contacté sur la 112. C'est suivi pour Alpha, on envoie un négociateur. Bravo d'Oscar. Vous allez, c'est bon, Gadier, vous y allez. Est-ce que vous pouvez vous mettre en position à proximité du SFR en cas de fuite ou des individus? Négatif, la voiture fait. Et possiblement bah, check les bâtiments, mais plutôt dans un cercle éloigné. C'est celui, nous on va arriver par le nord pour promotion Oscar. Oui, pas de soucis. Dégagez le véhicule en face là-bas. Coupez-moi la route là-bas, mettez-moi des barrières de votre côté, ADS. Ça suit, je fais ça. Pas aussi loin, ADS, revenez, revenez. Juste dans la voiture pour dire de partir. Je me mets là, ici. Ouais, c'est ça. Pour... Ici Alpha pour la patrouille qui vient d'arriver. La Golf jaune, vous pouvez me la contrôler ou pas? Elle est... Ouais, c'est bien pris. Elle prend direction route principale en parallèle de l'autre côté. Ah bah ça va être dur, hein, monsieur. Elle est devant vous normalement là. C'était la question que j'allais vous poser. Oscar de Codis. François Codis. Oui, c'est pour vous signaler un ambulancier donc, qui roulait à vive allure, trois tons activés, sans intervention tout à l'heure. C'est vrai, vous avez réussi à avoir un nom ou pas? Affirmatif, on a un nom, donc ça sera un certain Jean Delvas. On a contacté les ambulanciers pour demander. Hein. Oscar des négociateurs. Transmettez négociateur. Donc négatif pour l'arme, j'arriverai pas à l'avoir. L'alarme vient de notre côté. Donc deux braqueurs actuellement. Un interdit. Interdit SFR, négociateur. Affirmatif. C'est bien pris. S'ils veulent pas mettre l'arme, vous négociez un 60%.
Ah, j'ai déjà essayé également, j'y arrive pas. Ce sera 50. C'est bien pris. Bon, exceptionnel, ils sont corrects ou pas? Affirmatif. Bon, c'est autorisé pour la négociation à hauteur de 50%. C'est suivi, je procède à transmettre. Bravo, Oscar. Transmettez. Les négociations vont bientôt être finies. Est-ce que vous pouvez être prêt à partir avec votre véhicule en direction du nord? Actuellement, on est juste derrière le SFR. Oscar Alpha. Transmet Alpha. Il pourra pas partir côté Saint-Louis parce qu'on a mis des barrières de partout dans ce sens-là. Il pourra venir que vers nous normalement ou vers vous. C'est bien pris. On a mis des barrières aussi pour barrer la route principale, mais il pourra passer sûrement de l'autre côté. C'est suivi. C'est bien, j'enlève mes barrières, c'est au lait. Pardon ? J'enlève mes barrières, c'est au lait. Non, vous les laissez, vous restez là, vous ne bougez pas. Mais Alpha, les individus partent en voiture. Ne faites rien pour l'instant, laissez-les passer. Ils arrivent vers vous. Donc les individus sont en 205 rouge. J'ai le bravo direction. Direction Dourdon. Hop là, plat, messieurs, on monte. C'est celui, on est actuellement en station sur la street. Oscar Alpha. Transmet Alpha. La plaque du véhicule est Tango. 3, 3, 0. Bravo Juliette. Oscar de Bravo urgent. Transmet. Le véhicule en face de nous, pas IGPS activé. Oscar, demi-tour. Direction Syrie. Ah, c'est quoi c'est... Oscar de Bravo. Transmet Bravo. Le véhicule se dirige vers en terre au niveau de Dourdan. Je vois le patrouille en Sirocco R, elle se dirige vers. Ouais, c'est nous. On regarde notre position GPS. Ils sont où? On est actuellement dans les rouges. À 4h derrière le... À 3h sur la route. Je suis sur la route. À 3h sur la droite dans la forêt, derrière le... Mais dirigez-moi là, droit tout droit. Droite. Droite. Okay, attendez, là j'ai les machins. Là aussi j'ai des vignes. Alpha d'Oscar. Ça a bougé, hein, on est en direction de la plage. Hein. Regardez votre balise. Bah oui. Partez à droite en dehors des. C'est suivi pour. Faut me diriger comme ça, il faut me diriger vers la patrouille. Un peu à gauche, c'est. Ouais, mais moi j'ai des cailloux partout là, encore un peu à gauche. Donc, Ils sont check que le véhicule ferme pas n'importe quoi, c'est pour vous diriger. Ouais, c'est bien pris, bon, on est derrière vous. Ils sont sur la droite, ils sont au niveau de la plage. Ah, moi là, vous les voyez devant là, de Giro. Ah oui, là-bas, ok. Comment, ADF? Non, je disais que si elle tombe sur la route, on va pouvoir les passer là-bas. On prend la route de Dourdan.
C'est suivi en dernière pointe, ça doit attraper. Vous dites ils vont vers Trinité ou vers... Ça a l'air d'en monter Trinité, ça a l'air d'en montrer Trinité. Attendez, non, négatif, c'est bon. Ça va se passer. Donc à gauche ? Affirmatif gauche. Ah bah ok. Oscar Bravo. Transmet Bravo. On dirige vers le port. Ouais bah on est derrière, vous inquiétez pas. Oh putain, l'autre il est... Alpha d'Oscar. Transmet. Est-ce que vous pouvez vous rendre s'il vous plaît au niveau de la station ? Braquage s'il vous plaît, nous on est déjà deux effectifs sur la poursuite là. C'est sûr. On vous envoie les agents de sécurité. Mais, deux secondes. C'est laquelle qui fait se braquer ? Non, c'est Solis. Solis. Mais pour aller à Loli, je sais où c'est. C'est pas Loli. Ah, c'est oui, je vois laquelle, oui. C'est Porsche, la tourée. Oui, c'est bon, je vois où c'est. Oh, purée, elle a pas de frein. Oh, elle a plus rien. On descend. Les sirènes. Le plan remonte. Vous les avez enlevés ou pas, ADS ? Bravo d'Oscar. Transmet. Faites attention à votre conduite, s'il vous plaît. Vous mettez un chouïa trop devant l'individu. Hein. C'est sûr, je transmets ça là-dedans, mais ouais, depuis tard, il fait que tourner en rond, donc on monte encore une fois à radio. On peut rien y faire malheureusement, mais vous mettez pas devant le véhicule. Bah si, à un moment donné, tu te mets... Je sens spécialisé. Alpha d'Oscar. Transmettez. Pour information, vous pouvez joindre les agents de sécurité sur leur fréquence 114 pour vous être avec eux. Ok, cool. C'est suivi. Ouais, je vais vous aider. Vous voulez que je gère les agents de sécurité du coup. Attendez, vas-y. Vous pouvez juste m'aider à des. Ouais. Attention. Vas-y. Allez, allez. Attendez, oui, allez-y, hop là, il n'y a pas que ça. Ah oui, mais non, mais de quoi allez-y. Mais non, fuis. Enlevez-vous. Mais qu'est-ce que... Attends, non, je vais le faire de l'autre côté parce que là, je le sens que je vais me le prendre sur la gueule. Attention. Voilà. Elle est...
Elle est opérationnelle ? Non, non. Ah oui, voilà. Elle est plutôt le braquage, c'est ce qui m'intéresse. Toujours active. Demandez une situation à Oscar parce que des coups de feu. Ne relissez, demandez des renforts à Oscar. Oscar Alpha. Transmettez Alpha. Sommation effectuée, demande de renfort au niveau de Star Citizen. Oui, quelque chose ou pas? Les deux patrouilles sont bloquées, on a deux effectifs à terre. Donc. Devant là. Pour information Alpha, vous avez communication directe avec les agents de sécurité qui sont sur place. Hein. C'est suivi. J'ai un pack dans la station. Un pack dans la station allongé. Il a arrêté le braquage ou pas? Transmettez. Négatif, une mauvaise fréquence. Très bien, je vois. Alpha sur la courte, il a arrêté le braquage ou pas? Ouais. Vous avez vu quelqu'un sortir? Négatif. Négatif. Il n'était pas tout seul quand même pour braquer une station, ça paraît très bizarre. Ah, il est mort dans la station, je crois, hein, le gars, non? Affirmatif, je crois avoir eu un pack dans la station. Parce que je vois un corps au sol avec avec du sang. Alpha 2 Oscar. Transmettez. Avez-vous besoin de renfort sur votre position? Affirmatif, on ne sait pas si encore il y a des personnes sur place, des braqueurs. Sur la courbe, vous me suivez à plate. C'est parti. Pardon ? Faites attention, agent de sécurité juste devant.
côté agent de sécurité au niveau du véhicule. ADS avec moi, ce brigadier, vous venez vers l'agent de sécurité au niveau du véhicule, vous nous couvrez, on va visiter la maison à droite avec la DS. Sur le marquage de station de service, on est actuellement en Japon. Ouais, c'est bien compris. Vous me suivez, on va vers la station. À l'arrière. Oui, ça, je peux savoir ce que vous faites ici, monsieur? Eh ben, j'étais en train d'acheter une Porsche. J'étais en train d'acheter une Porsche. Bah oui, en plus, je l'ai bloqué sur le trottoir, là-bas, à droite. Monsieur, je vous me note, on verra ça après. Allez, allez. C'est vous qui avez tiré? Ah, okay. C'est l'ADS, c'est l'ADS. Non, non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Ah, c'est pas vous? Non, non, c'est pour ça que j'ai dit, ah, il y a des tirs. C'est pas moi qui tirais. C'est vous, ce brigadier? Négatif, je suis allongé dehors, moi. La SOQ, peut-être. Négatif pour les tirs, Alpha Oscar. C'est reçu. Vous avez des plaques encore dans le secteur ou pas? Possible, vous dites pour l'instant, on va vérifier. Je vais regarder la plaque du véhicule pour les pouvoir. Négatif, regardez voir déjà avec les agents de sécu si c'est eux qui ont tiré. Non, il va aller voir. Pour Alpha, on aura peut-être besoin encore de renfort, on n'est pas encore sur un impact, on est en train de faire une vérification. C'est sûr, actuellement, on va arriver au central. Reçu. Vous voulez pas que je rentre, monsieur, au cas où?
Vous le prenez avec, vous le rentrez là derrière, là-bas, en face, là, la grande maison en bas. Ouais, mon capitaine, c'était bien un agent de la sécurité. Ah, c'est un agent de la sécurité qui a tiré, ok. Ok, monsieur, n'oubliez pas, déplacez-vous, à l'intérieur de la maison pour la sécurité. Il est là. Oh là là, ouais, au fond, là-bas, c'est très bien. Ok, si vous voyez, vous récupérez le véhicule, vous descendez. On va aller vers monsieur là. Monsieur, je vais vous fouiller. Monsieur, vous m'entendez ou pas hein? Capitaine, un seul nom sur la plaque du véhicule de fuite possiblement. Hugo et Mary. Reçu. Vous appelez comment, monsieur? Monsieur, comment vous appelez? Hugo et Mary. C'est bizarre, pourquoi j'ai votre véhicule là-bas en direction de. Comme pour partir du braquage? Bah, je vous ai dit que j'ai bloqué ma Porsche en lâchant. Je vais vous le dire. Il est bloqué, hein, vous pouvez tester. Hein. Faites appel, vous demandez à Oscar pour Codis pour le. Enfin regardez s'il est encore dedans, sinon s'il est encore dedans, vous faites appel Codis. Oui. Okay. Bonjour. 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 On a un sur la carte de reste pour un port. Oui, c'est monsieur qui c'est monsieur qui est devant moi. D'accord. Vous pensez quoi monsieur par rapport si au véhicule? C'était une extraction par l'avant ou l'arrière? Non. L'arrière plus proche avant. Ouais. Pardon, c'est. Vous me demandez quoi? Vous c'était une extraction par l'avant ou l'arrière du bâtiment? Non, vous venez avec le véhicule au niveau du truc, je crois que c'est sécurisé. Pour moi, le véhicule comme il est posé là, pour moi, vous faites partie du braquage. Hein. C'est comme s'il partait. Hein. Mais non, monsieur, je vais l'acheter. Non, monsieur, là, je suis désolé, mais... vous me le demandez au TRDS. Monsieur, vous allez me donner les clés de votre véhicule? Alpha 2, ouais, transmettez. Un individu a battu le braqueur au niveau de la station. On a trouvé un monsieur qui est détenteur d'un véhicule prêt à partir du braquage en quelque sorte. On court les vérifications. Ouais, très bien, c'est bien pris. Du coup, vous avez besoin d'une unité ou autre sur vous, une unité de pompier ou autre? Négatif, la paire, merci. Juste un vous instant. Avez reçu. On pouvait le remonter monsieur Adès. Ouais, c'est bien. Donc négatif, on n'a pas besoin de colis sur place. La personne, le braqueur abattu. La morgue est déjà passée à récupérer. Ouais, c'est bien pris. Et du coup, pas de dépannage, pas de dépanneur sur l'île. Du coup, vous occupez vous-même s'il y a véhicule à récupérer. Reçu. Capitaine. Ah, il est bien bloqué le véhicule. Vous l'avez choqué le monsieur là. Il était là-bas derrière avec les mains en l'air dans le petit cabanon là-bas. Enfin à l'extérieur du petit cabanon. Mais bon le véhicule il bouge pas. Le mec il est venu comment ici? Bah justement, c'est ce que j'allais poser comme question. Il est pas venu à pas. Ah oui, ça je pense bien. Monsieur, vous êtes venu comment ici? J'ai demandé un taxi. Un taxi. Donc si j'appelle la société de taxi, il me donnera votre nom et il me dira que... Non, je sais pas, mais une course, ouais. C'est monsieur Paoli, non? ADS ouais. Bon monsieur, c'est pas le moment de parler pour l'instant. Vous pouvez vérifier avec la société de taxi s'ils ont fait déposé une personne ici à cet endroit récemment. Bonne soirée, monsieur les agents de sécurité, merci.
taxi dans la contrefaçon. Ok. Monsieur, votre histoire me paraît un peu bizarre parce que les taxis, il n'y a plus personne qui a pris de service depuis un petit moment. De quoi ? Votre histoire me paraît bizarre. Parce qu'apparemment, au niveau de la société de taxi, ça fait un moment qu'il n'y a plus personne qui est dit qui est en service. Ils m'ont déposé. Moi, j'ai vu le dernier il y a 25 minutes. Hein, il m'a dit qu'il connaissait sa fin de service. Ah oui, vous avez dit ça ? Bah, non, il m'a déposé là, à l'instant. Enfin, il était en véhicule avec son véhicule civil quand je l'ai vu. Donc, il n'était pas en taxi. Ah non, je veux dire, c'est un taxi qui m'a déposé. Hein. Relâchez monsieur. On va devoir relâcher monsieur. Ouais. Bah on n'a pas de preuve sur lui, il est pas, il a pas d'arme. Ils sont bons, c'est sûr que le véhicule. Était vers où, le, mec le petit cabanon au fond là-bas derrière à l'extérieur. Bon, on va aller checker vite fait avant que là il n'y a pas d'arme ni rien. Monsieur Brioli, il reste juste deux minutes là avant on lui va lui dire de partir après. Okay. Juste que la patrouille qu'on a en plus sur place vérifie un truc et après il pourra partir. Après. Ah ouais. Ça donne quoi, Brigadier ? Non ? Ça donne quoi pour la recherche ? Il n'y a rien. Ok. On pouvait le relancer. On relève du coup, on va rechercher notre collègue. Ouais. C'est parti à l'hôpital. Merci beaucoup. Au revoir. Okay. Je vous laisse, Brigadier, je vais prendre une fin de service. Vous pouvez garder ma voiture pour votre service. Transmettez. Donc pour bravo, zone clear, on repart chercher le collègue. Donc voilà, la vidéo est terminée, messieurs, dames, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner donc à ma chaîne YouTube. Et ben je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis au revoir.